Et salut à tous, bienvenue sur Culture Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hokolife. On est avec mon petit perso Kenshu, on est toujours sur la version PC. Il vous dit bonjour, je vais pouvoir m'enlever du mode photo, voilà. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va consister à faire un truc à l'arrache. Mais pas n'importe quel truc, on va essayer de fabriquer un nouveau pont de A à Z. De la même manière que je vous avais présenté le tuto il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, sur comment fabriquer un pont ou des escaliers personnalisé, du coup on va faire ça, on va faire exactement ce que j'avais expliqué dans le tuto, mais avec le pont qui se situe tout en haut, le même pont que tout le monde a du coup, le pont qui se situe en haut, juste avant le lac, là où on débloque au début du jeu, la canne à pêche. Alors on va s'y rendre tout de suite, voilà. Donc ça c'est le fameux pont que tous les joueurs ont dès le début du jeu lorsqu'ils arrivent à cet endroit là. Le pont ultra basique. Et donc on va se servir de ce que je vous ai présenté en tuto. Si j'y pense, je vous montrerai donc. Je vous mettrai pardon le lien en description sous la vidéo. On va aller chercher des pierres, parce que j'ai envie de faire un pont en pierre. Et on va essayer de fabriquer un pont rapidement en pierre. Un truc assez stylé, mais pas trop élaboré non plus. Histoire de prouver déjà que ça marche, le tuto que je vous avais montré. Et histoire de vous montrer également que même si on n'est pas très doué en création, il y a moyen de faire des trucs sympathiques. Sans pour autant passer des heures et des heures sur le mode création et sans pour autant jouer au clavier souris, parce que beaucoup de personnes disent que c'est facile de faire des créations sur PC parce qu'il y a le clavier souris et que sur Nintendo Switch par exemple c'est impossible. Je vais vous prouver que non, puisque bien sûr je suis sur PC mais je joue 100% à la manette, donc les configurations des touches, la vitesse du curseur, etc. c'est exactement pareil sur Switch que sur PC à la manette. Du coup, on va déjà prendre les 3 blocs de pierre que j'ai en stock. On va prendre toutes les pierres que j'ai là. On va aller chez Sally. On va aller fabriquer un max de blocs de pierre. Bon, un max, je ne vais pas tous les fabriquer. Je peux en fabriquer 278. On va en fabriquer une trentaine pour être easy. Allez, vous savez quoi? On va même être large, ultra large. On va en fabriquer 50. De toute façon, les pierres, ça ne sert à rien d'autre quasiment. On va se mettre là, on va prendre ce pont là, donc celui qui se situe en haut près de l'étang. Ah bah oui, ah ça commence bien. Et j'ai oublié qu'il fallait prendre ce que je vous avais expliqué dans le tuto, les matériaux de base, à savoir 22 bûches. On va prendre 22 bûches. Ce qui est fait, donc comme je l'avais expliqué dans le tuto, pas de problème, on les récupérera. Lorsqu'on aura fini le pont en pierre, on va se remettre là, on va choisir du coup modèle existant à personnaliser ou à fabriquer. On va retourner sur ce fameux pont, hop, et on va sur personnaliser le modèle. Voilà, on y est, donc voici le fameux pont. On voit bien le gabarit. Alors, on va du coup aller dans les paramètres, on va tout sélectionner, et à l'aide de la touche LB de ma manette, on va, donc vous voyez bien, je joue à la manette, hein, on va tout supprimer. Hop. Et on se rappelle du coup que ce pont là avait deux crans de libre tout à gauche et deux crans de libre tout à droite. Ce qui nous permet de nous dire déjà qu'on va pouvoir commencer le pont ici. Alors on va aller ouvrir le menu, on va aller du coup dans les blocs de pierre. Et je sais pas du tout à quoi va ressembler mon pont pour l'instant. Je suis souvent quand je fais des fabrications en pierre sur cet élément là qui a une forme un peu biscornue. Et je trouve que ça fait très pierre naturelle, j'ai envie de dire. Je sais pas si je vais faire ça ou si je vais faire un truc genre comme ça avec des colonnes ou quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympatoche? Ce qu'on va faire déjà, on va prendre ça. On va le déplacer. Hop. On va se mettre bien à ce niveau-là. Alors, on va essayer de le reculer légèrement. Voilà. Ensuite, on va le mettre au sol. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, on va le mettre directement en contact avec le sol. Et maintenant, on va utiliser la rotation pour le lever un petit peu. Pas faire trop haut non plus. On va du coup de nouveau se remettre en déplacement. Pour le remettre au ras du sol. Voilà. Ce qui me semble pas trop mal. Et on va du coup le dupliquer à l'aide de la touche RB. Déplacer ce qu'on a dupliqué. On va se mettre sur la flèche bleue et on va le ramener tout au fond de l'autre côté.
Je l'ai fait un peu grand par contre, c'est pas grave. On va décaler d'une case ici, c'est pas très, très important. On va se mettre par là, quoique même si on met une case de plus. Allez, on va se mettre là. Voilà, on va du coup réutiliser la rotation. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, est-ce qu'on est à peu près égal? Ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, ok. Maintenant, on va quand même l'élargir. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. On va le déplacer. On va essayer de se mettre bien au milieu, voilà. On va retourner sur la première pierre qu'on avait fait là-bas. On va l'élargir à son tour. On va la déplacer, voir si on est bien au niveau de la taille ou pas. C'est un peu petit, donc on va encore l'agrandir. Ça semble pas trop dégueulasse. Alors je m'y suis mal pris, j'aurais pu m'y prendre autrement, j'aurais dû l'agrandir d'abord. Avant de le dupliquer, c'est pas grave, on a l'air pas trop mal. Après on est là pour faire des essais de toute façon. Ok. Là, c'est pas trop mal. Ensuite, on va mettre ce qui va nous servir de passerelle complète du coup. Parce que là, vous avez bien compris, c'est la montée. Donc on va reprendre des nouveaux objets en pierre. Et du coup, comment on va faire ce pont? Si on prenait ça, par exemple, ça peut faire très très joli. Hein. Ça peut faire très très joli. Et en plus, la taille correspond quasiment... On va prendre ça peut-être. On va peut-être prendre ça. Ça me semble plutôt pas mal. Alors du coup, on va déjà le descendre. Ok. Maintenant, on va le déplacer. On va le redescendre un petit peu pour se mettre à niveau. On est comment au niveau des guides? Ok. Ça me semble pas trop mal. D'accord. Ensuite, on va le déplacer. Non, on est plutôt pas mal au niveau de la taille. Hein. On peut même laisser comme ça, en fait. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper sur le reste du pont. Ok. On va le dupliquer. Ah, vous voyez, c'est une construction rapide. Ah! Est-ce que je l'ai dupliqué? Ok. Fausse manip. Ok, on va redupliquer jusqu'à ce qu'on arrive au bout du pont de toute façon. Et on déplace. Et une dernière fois normalement. Ah, il manque un chouille. Il manque un chouille. C'est pas grave. On va encore une fois le dupliquer. Le redéplacer. Voilà. On n'est pas trop mal, je crois. Du coup, on va peut-être lui mettre des petites rambardes, peut-être. Histoire de rajouter un peu de gaieté sur ce pont. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en rambarde? Et ben voilà, c'était ça qu'on voulait utiliser à la base. Donc ça, on va déjà redimensionner parce que c'est très très gros. On va essayer de lui donner une forme quand même un peu plus jolie. On va rezoomer. Ouais, encore un petit peu comme ça. Je pense qu'on peut encore le descendre. Si on garde le guide, on est comment? On peut peut-être le monter quand même un petit peu. Voilà, comme ça. Ok. Maintenant, on va le déplacer.
On va mettre bien Nara. Voilà. Ok. Maintenant, on va dupliquer tout ça. Et on va déplacer. On va en mettre... On va en mettre 3, ça va suffire. Hein. On va essayer de le centrer quand même. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc ça veut dire 2 cases et demie sur le pont. Voilà, ça me semble pas trop mal. On va redupliquer un coup. On va se remettre au bord comme on avait fait de l'autre côté. Alors je suis pas le roi de la... du parallélisme et de l'asymétrie comme Zaboulet par exemple. Moi beaucoup moins, clairement. Ça me semble pas dégueu. Ça me semble pas dégueu. On va de nouveau redupliquer les 3 pour les mettre de la même façon mais en face, donc de l'autre côté. Hop, on reduplique, on redéplace. Où est la flèche? Elle est là. Alors ce serait chouette que ça passe du premier coup. Je m'explique. Si le pont n'est pas la bonne dimension, on peut peut-être réussir à le poser, mais on pourra peut-être pas passer dessus par exemple. Là, je pense que ce serait bon, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai dupliqué, je redéplace. Encore un peu, hein. Oui, encore un peu. Ouais, là, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû dupliquer celui de gauche, j'aurais dû dupliquer celui d'en face, en fait. Pour être sûr d'être bien parallèle, bien symétrique et tout ce qui va avec. Mais bon, on va pas jouer sur les détails, ça me semble pas mal. Alors du coup, par contre, la rambarde avec les pierres, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va pas être foufou, hein. Du coup, on peut peut-être utiliser le bois qu'on avait récupéré de base. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, on va rester sur de la pierre. On va rester sur de la pierre. Et on va mettre... On va mettre ça. Hein. On va mettre ça. On va le déplacer déjà dans un premier temps pour voir la taille qu'il fait. Ok. On va le pivoter. Ça me semble droit. Au niveau de la largeur, ça me semble pas trop mal. Et de l'épaisseur pour être... pour avoir quand même un truc qui ressemble à quelque chose. Ok. Ça me semble bien. D'accord. On va du coup le redéplacer. On va le redimensionner. On va essayer de l'étendre au maximum. À combien on peut le faire? Ok, là on est au taquet. Du coup, on va le redéplacer. Et on va essayer de le faire comme si ce gros bloc de pierre-là était posé sur les piliers. On va reprendre la flèche bleue, du coup. On peut le redescendre un petit peu. Parce que là, il flotte un peu. Hein. Ok. Du coup, ça, on fait comme d'hab, on clique dessus, on duplique, on redéplace. Pourquoi je suis pas à la même hauteur? Ceci est étrange. Il y a un léger décalage. Je vais être obligé de le redescendre, en fait. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi. J'ai un léger décalage, j'ai dû faire une erreur quelque part quand j'ai dupliqué l'un des piliers, j'imagine. Bon, c'est un détail, mais moi je le sais, ça m'énerve, mais on va pas tout recommencer quand même. Et on va redupliquer et redéplacer pour essayer d'aller jusqu'au bout du pont, au bout du pilier. On est comment? On va dézoomer au max. Oh, pardon pour la caméra. On est un peu trop loin. On est un peu trop loin, par contre, vous voyez ce que je vois?
C'est qu'il est un peu trop haut, encore une fois, celui-là. Donc on va le déplacer. Ouais, c'est bizarre, c'est très étrange. Du coup, est-ce que je ferai pas quelque chose que j'avais pas prévu de faire, mais tant pis. Ça, on va le redimensionner. Ouais, histoire qu'on les voit un peu, voilà. Et celui-là, pareil. Hop, redimensionner, on va le descendre un tout petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça me semble pas trop mal. Alors là, le truc, c'est qu'on va devoir dupliquer pour les remettre en face, mais vu que j'ai un peu merdouillé sur la hauteur des... ce qu'on va appeler les poteaux, pas sûr que ça passe au niveau de la hauteur, du coup, on va peut-être être obligé également de modifier ça. Alors, on déplace. Ah! J'ai pas dupliqué! Pardon! Vous voyez les nombres, les petites erreurs qu'on peut faire et du coup, dérégler tout un truc qui était bien parti. Enfin, bien parti. Voilà, j'ai un léger décalage maintenant. Ok. J'avais oublié de dupliquer. Dupliquer, voilà. On va le centrer, ok. D'accord. Alors, est-ce qu'on duplique celui-là ou est-ce qu'on duplique celui-là? Ah. On va dupliquer celui-là. Allez, monsieur Rambard. Allez, monsieur Rambard, plus vite. Voilà. On va devoir de nouveau modifier la hauteur des piliers. Hein. C'est pas grave, on va faire ça après. Et celui-là, on va également le dupliquer. On va le faire venir vers nous. Et on est déjà bien avancé sur ce pont. Qui, je l'espère, fera l'affaire. Légèrement trop à droite, un chouïa. Ah. Les problèmes de la manette, évidemment, on n'est pas précis comme avec une souris, mais ça passe, hein. Ça passe, donc du coup, ça, on va le redescendre un petit peu comme on avait fait en face. Je sais pas où j'ai merdouillé, mais j'ai merdouillé quelque part, c'est sûr, hein. Pas me tromper, donc redimensionner, le baisser un tout petit peu. Ouais, ça me semble pas trop mal. J'aurais peut-être pu un peu plus, mais bon, on va rester comme ça, ça semble bien. Et là, on a du mal parce qu'on est tellement éloigné. Alors, on va un peu en dézoomer encore, mais pour voir quelque chose, ça va être tendax. Tac, redimensionner. Ok, ça me semble pas dégueu. Ça me semble pas dégueu. On va essayer, hein. On va sauvegarder, on va voir ce que ça donne, on va essayer de le mettre en place, on va voir ça. Allez, bientôt le résultat final de ce fameux pont. Oui, on sauvegarde. Allez, allons voir ça. On est de retour au village, bonjour messieurs dames. Et on va du coup démonter ce pont là, le remettre dans le sac et on va essayer de mettre le nouveau qui est où? Il est là. Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Par contre j'aimerais bien... Ouais, au niveau de la taille j'ai pas géré parce qu'en fait du coup il n'y a pas le même emplacement à droite et à gauche. Vous voyez quand il passe, là ça dépasse plus côté droit que côté gauche de la rivière par exemple. Là, c'est un peu mieux, peut-être. On va le positionner comme ça. Eh ben, écoutez, pour un truc qu'on a fait, là, on a 20 minutes de vidéo, moins l'introduction, moins le temps de monter ici.
Je dirais on a fait en une quinzaine de minutes. Un pont qui est perfectible, hein. Clairement on aurait pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu monter par exemple les plateformes du bas, vous voyez, sous mes pieds, les mettre un peu plus hautes, histoire qu'on voit un peu le bas des pierres, mais voilà, j'ai fait ça à la va-vite, là je pourrais très bien retourner. On va s'enlever de la cascade, que ça fait du bruit, bah on va la ferme, pourquoi pas, c'était pas prévu, mais voilà, au niveau du lac, avec mes belles décos d'Halloween. Donc je disais, on pourrait retourner à l'atelier, le modifier un petit peu, le faire monter par exemple un petit peu pour qu'on puisse voir le bas des pierres. Ça prend 2 minutes, hein. Mais l'intérêt de la vidéo, c'était pour vous montrer qu'on pouvait, du coup, faire des créations comme ça, basiques, en quelques minutes, à la manette, qu'on soit sur PC, sur Switch, sur Xbox ou PlayStation. Ça passe, et ma foi, le résultat est pas dégueu. Alors je vous laisse imaginer, si vous appliquez un peu plus que moi, si vous mettez à la place de 15-20 minutes, si vous vous concentrez pendant une demi-heure, une heure, vous pouvez faire un truc très très sympathique. Et ben voilà, moi ce petit pont fait en 15 minutes, il me plaît énormément. On va quand même partir de là, parce que c'est très très bruyant près de la cascade. On va retourner au village. Et voilà. On va se mettre par là, c'est très sympathique. Bah écoutez, on va se mettre en petite vue aérienne. On va enlever l'interface. Voilà. Viens petit bonhomme. Parfait. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à commenter, à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à nos autres chaînes YouTube. Les liens sont en description en dessous de la vidéo. Vous avez également en lien notre Twitch, notre Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien les amis. Salut, ciao, ciao.